Le point arrive dans quelques instants. Une 924 et 924 turbo. La première est une turbo, la deuxième est une version simple 924. Voilà pour la suite donc des premières arrivées avec la 924 turbo. Il y a eu des 924 Carrera GTR qui étaient les plus puissants, 375 chevaux pour rappeler l'histoire de la marque. Donc il y a eu énormément d'intérêt. Au 24 heures du Mans, une version d'endurance avait terminé 6e avec Bart et Turkey, donc à l'époque. On retrouvera donc en championnat de la montagne aussi les 924 GTR avec Jacques Almeras. Voilà cette Porsche qui est un petit peu différente des célèbres 911. La R12 Gandini que l'on retrouve dans quelques instants pour saluer aussi les belles performances à l'époque de Jean Ragnotti, 15e, Tambay avait fait 20e avec ce modèle. Olivier Marchand la présente et fait partie également du team Coppola. La 251 pour le numéro de course que l'on va accueillir. On est rentré dans les moyennes intermédiaires pour la numérotation. C'est une 220 SE de 64 parmi les trois Mercedes qui sont inscrites cette année